Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit truc un peu particulier. On va voir ici comment voler l'étalonnage de vos films préférés. Oui, vous avez bien entendu voler, c'est-à-dire qu'on va prendre des captures d'écran d'un film comme par exemple Matrix ou Seigneur des Anneaux et on va carrément voler cet étalonnage pour l'appliquer à nos propres montages. Alors attention, c'est pas une technique ultime qui va forcément marcher dans tous les cas. Néanmoins, vous allez voir, j'ai testé pour vous sur des images que j'ai prises de différents films connus et il y a de bonnes surprises. Je vous propose de découvrir tout ça sur Premiere Pro. Afin de vous illustrer cette fonctionnalité, j'ai été sélectionné 5 plans et les films respectifs sur lesquels on va essayer de voler l'étalonnage. On va commencer avec un plan de Fight Club dont on va voler l'étalonnage pour l'appliquer sur ce stock shot. On va prendre également un plan du film Drive pour recopier cet étalonnage sur le plan de la voiture ici. Petite info au passage, tous les plans proviennent de Artgrid qui est selon moi le meilleur site de stock shot vidéo. C'est là où vous obtiendrez vraiment la meilleure qualité au niveau des stock shots. On étalonnera également façon Pulp Fiction de Tarantino. On regardera ensuite l'étalonnage d'Interstellar qu'on va copier sur ce plan et on finira par Zombieland qu'on copiera sur ce plan un peu similaire. Alors vous l'avez remarqué, j'ai choisi volontairement des plans un peu similaires à chaque fois pour qu'on ait des références là ici au niveau de la combinaison, au niveau des blancs, ici au niveau du décor. Comme vous pouvez constater, ça se passe dans un restaurant dans les deux cas. Ici Drive, pareil, j'ai pris un garage. Et là, dans Fight Club, j'ai pris un endroit un peu confiné, des couloirs voilà, qui ressemblent un peu à ce qu'on voit ici. J'ai fait ça pour justement pouvoir appliquer au mieux l'étalonnage pour voir si, avec des conditions à peu près similaires de mise en scène, de cadrage, de décor, eh ben, est-ce que cette fonctionnalité Premiere Pro va être bluffante ou pas. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vous avoue que j'ai fait aucun test avant de vous enregistrer ce tutoriel, donc ça va être intéressant, je vais pouvoir réagir en direct et voir si ça vaut le coup ou pas. Alors on va commencer par passer en espace de travail couleur. Voilà, moi je me suis personnalisé mon espace de travail, je vous invite à faire de même pour pouvoir travailler le plus efficacement possible. Et la première chose à faire, ça va être de venir activer ici la vue de comparaison. Voilà, ici ça nous permet avec le curseur de naviguer dans la timeline pour avoir une ref. Et là, en l'occurrence, la ref c'est Fight Club. Donc je mets ici et le plan étalonné qui va être à droite, c'est ce plan là. Voilà, comme ça, on va passer de ça à ça. Alors vous pouvez changer la vue si besoin, vous voyez, pour l'étalonnage. Mais là, pour l'exercice, on va pouvoir se mettre comme ceci. Ça sera très bien dans un premier temps. Vous allez ensuite dans roue chromatique et correspondance. Et là, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle application de la correspondance. Donc, vous voyez que j'ai bien coché détection des visages, ce qui va permettre plus facilement à Premiere Pro de s'adapter. Donc, je clique dessus et Premiere Pro, vous voyez, il a plutôt fait un très bon job. Il a recopié l'étalonnage qu'il voit à gauche sur l'image de droite. Donc il a recopié la référence de Fight Club sur notre plan qu'on a tourné. Vous voyez, il a utilisé les tons clairs, moyens et foncés au niveau des roues colorimétriques. Il a également joué avec le niveau, ici, l'intensité appliquée à chaque tonalité. Et je trouve que honnêtement, bah, ça fait le job. Honnêtement, c'est regardez si je fais ça. On a le raccord ici qui marche plutôt bien. Vous voyez, je vais le mettre en plein écran. Ah, ça fait plutôt bien le job. Après, bon, on n'a pas une très bonne qualité là sur Fight Club. Mais je trouve que honnêtement, Premiere Pro s'en est plutôt bien sorti. Et là, on a un magnifique étalonnage ici sur ce plan. Donc vous voyez que c'est pour l'instant, le premier cas d'utilisation est validé. Alors si je devais améliorer quelque chose, je peux voir que là, les noirs sont plus enterrés sur le Fight Club que cette image. Donc éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être venir ici se remettre en comparaison. Voilà, pour comparer les plans. Et jouer ici avec les noirs. Vous voyez, pour plus les enfoncer, voilà, légèrement, on va également pouvoir venir jouer avec le curseur des tons foncés un petit peu. Et vous voyez que là, avant, après, c'est le jour et la nuit, on a un très bon étalonnage. Et comme on a appliqué la détection des visages, mais ça a permis de conserver quand même une bonne teinte de peau au niveau du visage. On passe maintenant au deuxième cas d'utilisation. On va venir ici utiliser la référence du film Drive pour l'appliquer à ce plan avec la voiture. Toujours la même méthode, je vais dans mes roues chromatiques et je clique sur appliquer correspondance tout simplement. Alors ça a moins marché ici, vous voyez que ça marche pas à tous les coups. Vous voyez, ça fait quelque chose d'un peu trop rouge par rapport à ce qu'on a dans la référence de Drive. Là on a une image, vous voyez, dans le fond et tout, dans le brouillard ici c'est vachement rouge alors que là on a quand même un côté orangé. Donc malheureusement sur ce deuxième cas d'utilisation ça n'a pas marché. Vous voyez que c'est pas un outil parfait. Mais néanmoins, on a vu que dans certains cas, comme dans Fight Club, là, ça pouvait très bien marcher. Donc, comment faire si jamais c'est pas bon? Vous pouvez éventuellement venir jouer avec les roues colorimétriques ici pour retoucher ce qui ne va pas. Et là, je
toucherez les fonds moyens, vous voyez, pour aller un peu plus dans les teintes orange. Voilà, pour avoir vraiment ce côté orangé comme dans le film. Voilà, là on a quelque chose, vous voyez, qui se rapproche un peu plus, hein. J'ai retouché, là on était sur quelque chose de plus rouge. Là je viens de jaunir un petit peu tout ça. On peut éventuellement aller dans correction de base et jouer avec la température, se rapprocher du orange, vous voyez, pour vraiment retrouver la couleur qu'on a dans le film Drive. Je vais également virer un peu de vert pour essayer de me rapprocher le plus possible du jaune orangé qu'on voit à gauche. On va mettre en plein écran. Vous voyez que là, on se rapproche, c'est plutôt pas mal, mais on n'a pas vraiment la même teinte, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, sur ce deuxième exemple, ça n'a pas été parfait, mais néanmoins, c'est une bonne base, hein, pour étalonner. Vous voyez qu'on peut démarrer comme ça et après faire des petites retouches pour essayer de se rapprocher au plus du style du film. Donc là, toujours pareil, hein, je vais également venir enterrer un peu plus les noirs comme dans le film. Je vais jouer également avec les tons foncés un petit peu, voilà, pour être un peu plus fidèle au style, et j'augmente légèrement le contraste. Alors n'y allez pas trop fort, vraiment c'est des manœuvres assez délicates. On est plutôt pas mal, ça pourrait à peu près raccorder, bien que là on est une teinte globalement un peu trop orangée, mais en bataillant un peu plus à l'étalonnage, on peut se rapprocher du style assez rapidement. Donc je vous montre en plein écran le plan avant et le plan après. On passe à présent au troisième exemple. Je vous ai pris un screenshot de la scène finale du chef-d'œuvre de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Et là, ça va être intéressant parce qu'on a vraiment des décors similaires pour le coup. Donc, on y va. Toujours pareil. C'est assez rapide maintenant que vous avez l'habitude. Roue, chromatique, correspondance. Et je fais appliquer correspondance. Alors, c'est super. Je trouve que ça a vraiment bien fait le job pour le coup. Vous voyez le marron là. On retrouve le marron très très proche ici de la référence dans Pulp Fiction. On voit qu'on a les mêmes teintes à peu près. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, vous pouvez également changer de ref, hein, si vous voulez, pour comparer. Ça, ça aide à faire l'étalonnage. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut voir, idem, que là, il manque un petit peu de contraste. Donc là, je vais aller dans correction de base et je vais jouer ici un petit peu avec le contraste. Voilà, pour me rapprocher du film. Je vais enterrer un peu plus les noirs et jouer également avec les tons foncés. On est vraiment très très proche de la référence. Vous voyez, si je fais ça, mis à part le grain là, que vous voyez dans le film, qui est surtout dû à la pixelisation de l'image et aussi au fait que le film était tourné en pellicule, mais vous avez quand même deux images assez similaires, ça pourrait matcher. Alors là, on a peut-être un peu trop forcé avec les noirs. Vous voyez, je remonterai un petit peu ici la luminosité de l'image, voilà, avec les blancs et les tons clairs également, pour avoir une image un peu plus lumineuse. Voilà, alors n'hésitez pas, quand vous faites vos étalonnages, à afficher ici le moniteur lumétrie. Je vous en ai pas parlé parce que c'était pas le but de la vidéo, mais pour étalonner en général, veillez à utiliser les scopes. Et vous voyez que si on observe avant après, si vous regardez sur le scope ici tout en bas, vous pouvez voir que ça, c'est l'image en log qui est à droite, donc qui n'est pas étalonnée. Et dès que j'applique la correction colorimétrique, on peut voir qu'on se rapproche beaucoup plus du style. Donc là, on a forcément les niveaux qui montent un peu plus parce que là, on a les entrées de jour alors qu'on les a pas là sur l'image de droite. Mais c'est pour ça que vous m'avez vu retoucher les tons clairs tout à l'heure, c'était pour remonter un petit peu plus, parce que sinon je vous montre sans les tons clairs là, on était comme ça, on était un peu plus foncé, alors que là ça m'a permis à la fois d'écraser un peu plus les noirs et de monter un petit peu la luminosité de l'image pour que les deux images matchent mieux. Voilà, très important, j'en ai pas parlé au début, mais il est indispensable pour vous d'utiliser les scopes lors de l'étalonnage. J'en parle d'ailleurs dans ma formation Première Pro de l'école des vidéastes. J'en profite pour vous informer que le tout nouveau module Première Pro Étalonnage Pro est maintenant disponible dans l'école des vidéastes. Si vous souhaitez devenir un pro en montage vidéo, même si vous débutez totalement, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir une heure gratuite de cette formation. On passe à présent au quatrième exemple, Interstellar, avec un plan similaire. Vous voyez que j'ai pris un plan avec un cosmonaute. La grande différence ici, c'est que là, on est plutôt sur un décor de forêt. Là, c'est un décor type neige dans les montagnes. Donc, on va essayer de faire matcher ça. C'est parti. Donc, toujours pareil, je vais dans roue, chromatique et correspondance. Et je clique sur appliquer correspondance. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça a surtout été au niveau du contraste que ça a joué. Vous pouvez voir que le curseur ici a baissé. Et je vous rappelle que quand vous baissez le curseur ici, ça veut dire que vous enterrez un peu plus les tons foncés. Donc, il a juste joué avec ça, en gros, avec le niveau de contraste. Au niveau des couleurs, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de changements. On a ici les tons clairs, ça a bougé un petit peu. Mais au niveau du color matching, il n'est pas allé bleuter le décor comme on peut le voir ici. Après, ça reste légitime puisque si vous regardez bien, ici vous avez de l'herbe, il n'y a aucune cohérence à la teindre en bleu. Alors que là, vous avez un décor de roche. C'est plus justifié parce que vous avez plus de blanc ici d'avoir cette teinte légèrement bleue. Néanmoins, les deux images ici, si on met en plein écran, pourrait matcher sans problème. Vous voyez qu'on a à peu près le même niveau de contraste.
On a les blancs légèrement bleutés dans les deux cas. Là, on peut voir néanmoins qu'il y a peut-être un peu plus de jaune ici. Donc, on va regarder ce que ça dit au niveau des scopes. Alors, pour comparer, je vais me mettre comme ça. Alors, si je regarde l'image avant, on peut voir, comme d'habitude, hein, le signal du log qui est tout compacté. Et dès que j'applique l'étalonnage, on peut voir que tout est étiré pour avoir plus de dynamic range, pour plus correspondre à la référence à gauche. Là, le job est assez bien fait. On va néanmoins, comme d'habitude, aller dans correction de base. On va jouer avec le contraste ici pour aller plaquer un peu plus les noirs. Voilà, je peux jouer également ici avec le curseur des noirs et des tons foncés également pour matcher le plus possible à la référence. Et éventuellement, on peut voir que là, l'image est plus claire. Donc, moi, ce que je ferai, c'est jouer avec les tons clairs ici, vous voyez, pour avoir à peu près le même niveau, voilà, pour pas qu'on ait trop de sautes entre les deux images. Voilà, vous voyez que ces petites retouches là, de correction de base, ben, ça a permis de faire matcher encore plus le plan par rapport à la référence d'Interstellar. Si je me mets en vue split screen comme ceci, vous pouvez remarquer quand même que vous n'avez pas du tout la même couleur de combinaison. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un peu plus de jaune ici, par rapport à la combinaison là qui contient un peu plus de bleu dans le blanc. Donc ça, c'est bien que quand vous avez deux comparaisons comme ça, parce que vous pouvez faire matcher plus facilement. Donc ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est retourner dans les roues chromatiques et dans les tons moyens ici, partir un peu plus vers les jaunes. Alors le gros souci, je vais vous montrer, c'est que si vous partez vers les jaunes ici, vous avez tout le décor qui se teint et vous avez notamment l'herbe qui va se teindre aussi, et du coup vous n'aurez plus du tout de raccord au niveau des deux images. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de sélectionner le personnage ici et de le retoucher comme ceci. Donc pour faire ça, on va faire un nouveau couleur lumétrie. Donc j'en ajoute un nouveau. Je vais ici le renommer combinaison, parce qu'on va retoucher la combinaison. Vous allez ensuite dans TSL secondaire, vous prenez la pipette et vous sélectionnez ici votre personnage, surtout la partie blanche. On va afficher ici en couleur gris pour pouvoir afficher uniquement la combinaison. Et on va venir jouer ici avec le sélecteur pour pouvoir sélectionner au mieux toute la combinaison. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les parties blanches de la combinaison sélectionnées. Je vais ajouter de la réduction de bruit pour ne pas avoir trop de bruit dans l'image, et également beaucoup de flou pour pouvoir flouter la correction colorimétrique. Je vais ensuite aller dans mes roues, je vais désafficher le couleur gris. Et là, je vais pouvoir, grâce à la vue de comparaison, grâce au split screen, retoucher la couleur de la combi pour correspondre à l'effet un peu jaune qu'on a dans Interstellar. Donc pour faire ça, je vais déjà voir avec la température. Si je me rapproche du orange, vous voyez que là, ça marche plutôt pas mal. Voilà, comme ceci. Je peux également, avec les tons moyens, me rapprocher d'une teinte un peu plus jaune. Voilà, là, on est pas mal du tout. Vous voyez, si je me mets en plein écran, on commence à se rapprocher, mais il y a encore un peu trop de bleu, si vous regardez ici. Donc je vais tout simplement pousser un peu plus fort vers les jaunes. Voilà, en jouant également avec les tons clairs, j'arrive à peu près à faire matcher les deux plans. Donc je vous montre avant après. Hein. Ouais, avant on était comme ça, on avait quand même une combinaison bien bleue, vous voyez. Et en mettant comme ceci, on a réussi à rattraper pour se rapprocher de la teinte d'Interstellar. Donc ce qui est bien, c'est que comme on a fait ça au sein d'un nouveau couleur lumétrie, vous voyez, je peux l'enlever à tout moment. Et là en fait, je vois que ça rattrape la couleur de la combinaison. Comme ça, on a gardé la teinte bleutée du décor et on a jauni la combinaison pour que ça corresponde à la référence. Comme vous pouvez le constater, on est plus proche de la référence maintenant qu'on a retouché la combinaison. Je vous montre l'étalonnage avant et après avec le color matching de Premiere Pro et un peu de travail d'étalonnage. Voici le résultat en plein écran. Alors, petite astuce, si vous voulez vérifier au niveau du blanc de la combinaison, si vous avez par exemple un moniteur qui est mal étalonné, n'oubliez pas d'utiliser les scopes et plus précisément ici, le vectoroscope. Alors, je vous montre comment faire. Vous prenez par exemple l'image d'Interstellar, vous allez dans Options d'effet et vous créez ici un petit masque autour par exemple d'une zone blanche ici sur le bras. Vous allez ensuite dans Moniteur Lumétrie et là, vous pouvez voir, voyez, en double-cliquant, vers où penche le blanc d'Interstellar. Vous faites ce même travail sur cette image, donc à un endroit précis. Je vais mettre ici un marqueur pour pouvoir y accéder rapidement. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, je vais dans Options d'effet et je trace ici une zone sur le bras au même endroit à l'identique pour pouvoir comparer tout ça. Donc si je regarde maintenant avec le moniteur lumétrie, vous voyez, là je passe d'Interstellar à notre plan de ref. Vous voyez qu'on est quasiment sur la même couleur. Alors on peut voir, justement, on va pouvoir corriger, ça va être l'occasion. Vous voyez que quand je me mets sur Interstellar, on est un peu plus à gauche ici que sur ce plan
où ça se rapproche un peu plus de la teinte de peau, parce que là, la barre que vous avez là, c'est la teinte de peau. Donc éventuellement, je pourrais ici rattraper encore un petit peu avec la combinaison en allant dans la TSL secondaire ici. D'ailleurs, au passage, regardez ce qui se passe. Si je désactive ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, on a, comme je vous le disais, pas du tout la même couleur. Ici, ça se rapproche plus des bleus magenta, alors qu'avec la retouche qu'on a fait ensemble, vous voyez, TSL secondaire, là, on se rapproche de la référence d'Interstellar. Donc éventuellement, si vous voulez faire des petites retouches, essayez de vous rapprocher de la référence que vous avez là. Vous voyez, là, je pourrais partir un peu plus vers les jaunes. Donc, dans ce cas-là, je peux prendre par exemple mes tons foncés. Vous voyez, je rajoute un peu de jaune orange à l'intérieur. Et si je regarde, là, vous voyez, je suis quasiment à l'identique de la référence. Donc maintenant, une fois que c'est terminé, vous pouvez venir supprimer le masque dans vos deux calques et l'étalonnage est terminé. On passe maintenant au cinquième exemple. Ici, il s'agit de Zombieland sur la gauche et on va partir d'un plan qui est quasiment à l'opposé parce qu'on a quelque chose de plus bleuté alors que sur Zombieland, c'est plutôt orangé. Donc, on va faire comme d'habitude. Je clique sur mon plan référence. Je vais dans roue chromatique et je fais appliquer correspondance. Alors, comme on peut le constater, il a respecté la chaleur au niveau du film, hein, au niveau de la référence, comme vous pouvez le voir. Par contre, ce qui va pas du tout, c'est les visages. Je les trouve un peu trop chauds. Donc voilà, ici, pour moi, je suis un peu moins satisfait du rendu. Je trouve qu'il y a un peu trop de chaleur au niveau du visage. Il aurait fallu les détourer peut-être et rattraper un petit peu ça. Donc ça prendrait un peu plus de temps. J'ai essayé de vous le faire pendant le tutoriel, mais bon, ça n'a pas été concluant. Néanmoins, ça reste une bonne base de travail hein, pour se rapprocher au mieux de la référence qu'on a sur Zombieland. Voilà, je peux vérifier ici comme ça, côte à côte. Vous voyez qu'on est quand même sur des résultats assez similaires. Au niveau des noirs, cette fois-ci, ça a plutôt bien fait le job. Vous voyez ici, si vous regardez, hein, le signal que vous voyez à droite ici, donc c'est l'image de droite, vous voyez que c'est plus décollé ici au niveau des noirs. Et au niveau des blancs, on peut voir que ça décolle ici parce qu'on a des points chauds dans le film. Là, on n'a pas de points chauds. Et quand j'applique l'étalonnage, vous pouvez voir qu'il a bien collé correctement les noirs. Il a respecté aussi la différence entre le rouge, vert et bleu. Comme vous pouvez voir, le rouge est prédominant. Ensuite, on peut voir que le vert suit et le bleu en dessous. Donc ça a plutôt bien respecté. Ça, on peut voir qu'on retrouve à peu près des scopes similaires. Néanmoins, je trouve que juste au niveau des visages, il faudrait faire quelques petites retouches. Comme vous avez pu le constater, c'est assez bluffant, surtout sur des images dont l'ambiance ressemble à la scène dans le film. Vous avez vu par exemple pour Pulp Fiction, j'ai pris une image assez similaire hein, dans un restaurant qui ressemble un peu. Donc là, dans ces cas de figure, ça marche très bien. Attention, si par exemple vous avez un plan sur fond blanc et que vous essayez de recopier l'étalonnage de Matrix, ça ne marchera pas. Donc faites attention, cet outil a ses limites. Il faut aussi essayer de retrouver des scènes qui ont plus ou moins la même ambiance que le film que vous visez. C'est néanmoins un formidable outil, je pense, pour s'assurer d'avoir une homogénéité dans votre étalonnage quand vous n'arrivez pas à rattraper la colorimétrie d'une caméra par rapport à une autre sur par exemple une prestation de mariage, mais vous pouvez utiliser cet outil pour essayer de matcher au mieux la balance des blancs des deux caméras. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est très important, de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.